Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 66e épisode de la série Dexai. Ça commence à faire pas mal d'épisodes. On reprend aux 5 restés, j'ai lancé pas mal de petites constructions, j'ai redonné l'Angleterre à un vassal, histoire de pas avoir à gérer trop de vassaux. Voilà, donc là on est descendu en dessous des 10 000 maintenant. Et voilà, on va avoir le plan qui est approuvé pour la reine Adelise. Voilà, il a perdu sa première guerre. Très bien. Ouais, bah lui c'est bon, faut que j'arrête de l'influencer. Maintenant c'est bon, il a rejoint le conflit. Enfin, le conflit, là, faut que j'arrête de dire le conflit. Vous m'avez compris, hein? Elle a eu l'esprit de sauter. Oh là là, elle a des réflexes, elle, hein? Mais bon. Ce qui est un peu drôle, c'est que ça s'arrête, mais ça recommence dans la foulée. De toute façon, au final, le personnage, s'il y a un gros truc contre lui, sauf s'il se cache, mais c'est rare qu'il se cache. À mon avis, ça va finir. Bon, bah on va recommencer encore. Ça continue de rejoindre, de toute façon. Voilà, on recommence. Ah mais lui, ouais, il se cache toujours, hein, donc de toute façon, on peut pas faire grand-chose. Demander l'excommunication. Non, il veut pas. Ouais, j'en ai demandé une récemment. Sinon, il serait d'accord, en fait. Alors, l'immortelle, quoi. Elle résiste à tout, tout, tout. Ah non, elle voit tout venir, elle... Balèze, la dame, hein. Allez, encore un combat à perdre là. La reine de Suède a déclenché la guerre de déposition de l'antipapauté impériale romaine à l'encontre du Kaiser. Oh, c'est risqué ton truc. Tout le monde attaque le Saint-Empire, moi je veux bien, mais il est puissant quand même encore. Hein. Voilà. Bon, elle est morte. C'est bien, ça va calmer un petit peu les trucs. Le tube de Kabylie, on va aller l'influencer. Alors, on a des titres mineurs. Qui c'est qui nous déteste vraiment? Oui, bon, eux, ils nous détestent, d'accord. Lui, ça peut passer. Toi, tiens. Test E. E n'est plus à moi? Problème ça. Ça c'est embêtant. Tiens, on va demander de partager sa ligue. On va voir si elle est d'accord ou pas. Ouais, non. Ah, c'est bon. J'ai une revendication, je peux lui enlever, bah tout va bien. Rouen, Vexin, Mortain, Évreux et Caen. Bah oui, non mais... Il n'y a pas de raison que tu me fasses ça, toi, hein. 83 ans, notre bonhomme, hein. C'est du costaud. Le roi de Valence, c'est justifié, non, non, non. C'est bon, Alors faites voir parce que j'avais remarqué que le royaume de France du coup n'était pas très bien fait. Ok, c'est mieux maintenant. Mais on a encore tout ça quoi. Il faut pour lui enlever le duché de Bourgogne quoi. Ouais bah déjà j'ai plus... Ouais, il est plus sous ma coupe, on verra ça plus tard. Le duc de Bretagne, toi qui as 11 ans là. Tiens, royaume de Bretagne, panf panf. Amuse-toi avec ça. Bon, franchement, cette guerre, là, commence à me gaver, mais bien comme il faut, j'en ai un peu marre, là.
Je voudrais pouvoir m'en aller. Je m'en fous de ta guerre. Je vois occupation moins 100, c'est-à-dire quoi? Qu'ils occupent trop de terrain, faut qu'ils gagnent des batailles, faut qu'ils fassent des batailles maintenant, c'est ça? Eh les gars, vous attendez quoi pour aller leur taper dessus, quoi? Fatigant, hein. Soit j'ai pas peur de la mort et je perds deux en... Quoi qu'il en soit, on va perdre deux en santé, quoi. Très bien. Bon, bah alors, on n'a pas peur de la mort, mais on perd deux en santé quand même. Ah, c'est peut-être pour nous pousser vers la sortie quand même, un petit peu, hein. Dieu est mort. Bon, d'accord. Un bar d'errant, ouais, bienvenue. En fait, j'ai réfléchi à lâcher le... l'Écosse pour en prendre un petit morceau, mais pff, ça veut dire qu'après tout ça est re contre moi. Non, non, faudrait négocier des. Mais là, j'ai plus trop de vues, vous voyez, pour faire des mariages, des fiançailles, mais avec qui je me fiance quoi. Ça fait vraiment... Vous voyez, pour marier mes enfants et calculer que je vais récupérer le royaume d'Écosse et tout, ça devient compliqué parce que j'ai tellement de... Il est tellement vieux que... Tous les personnages sur plusieurs générations sont déjà prêts, quoi. C'est un peu compliqué. Là, c'est un petit peu compliqué à gérer, quoi. Ok, très bien. Bon, ça serait bien que les troupes arabes se regroupent un petit peu, là, pour taper des de l'Égyptien. Tant qu'ils feront pas des batailles, ça va pas le faire. Elle doit toujours une faveur, elle. Mais bon. Ça, je peux lui demander comme faveur. Hein. Rien. C'est vrai qu'au niveau des lois, j'ai pas trop regardé ce que je pouvais faire. Encore plus d'argent ou plus de troupes du clergé. Ouais, allez, encore un peu plus de troupes du clergé. Oh la vache! Ah ouais! Ah, c'est pas mal, hein? L'opinion de... Ouais, ok, si tu veux. Roi d'Aquitaine, l'Auvergne. Ah, il a plus d'argent par contre. Hein. Contre le roi de Kola. Refusez, vous coûterez d'un. Si vous acceptez, vous ferez partie de la guerre écossaise de vassalisation Kolaenne. Non. Parce que je suis pas obligé, visiblement. Une guerre où il est visiblement attaquant. Donc non, c'est bon, j'en ai marre de... J'ai autre chose à foutre. Si c'est possible. Gardien royal, tiens bah toi. Grand veneur, toi. Montaumonier. Le duc d'Auvergne a accepté l'offre de paix du roi Emmerich l'Inquisiteur. Pardon, je me trompe. Il en est où lui? Il se cache toujours, hein? Ouais. Ouais, donc ça sert à rien de l'espionner, quoi. Ça sert à rien du tout. Ah.
Ah bah ça y est, 84 ans! Connu pour sa gourmandise, il passait ses journées à essayer de satisfaire son appétit abominable, une mauvaise personne qui paiera pour ses péchés dans l'au-delà. Bienvenue à l'empereur Lancelin de Normandie, qui lui succède, un homme équitable qui s'assurera que chacun ait sa part. Longue vie à Lancelin, désormais notre empereur. On a des prétendants, ouais. Et son notre nouvelle héritier, c'est son fils Arnald, qui a déjà 31 ans, qui est bien nul à chier. Ah, et alors du coup, le petit-fils qui est là, faut arranger des fiançailles entre lui. Parce que lui, pour moi, il est où? Ok, il est à la cour. Parfait, donc l'enfant aussi. Si je prends ta première fille, là, je fais des fiançailles entre elle et... c'est... Non, comment il s'appelait le gamin? Un proche-parent, petit-fils, petit-fils. Alors, attendez, je recommence. C'est Wimund. Ok, Wimund. Parfait pour Wimund. On recommence. Arranger des fiançailles entre toi et Wimund. Ah, ouais, il serait d'accord. Ok. On va dire oui. Derrière, est-ce que lui a moyen de l'assassiner? Là est le problème. C'est pas sûr, hein. Oh, quoique. J'ai récemment hérité d'un objet de l'empereur Roland IV. Il a probablement connu des jours de meilleur. Si, on va faire ce qu'il faut. Ok, super, t'as accepté. Ça, c'était une bonne idée à la con que t'as eue, mais j'en suis ravi. Ensuite, où est-ce qu'il est, lui? C'est le duc des Brides. Qu'on va envoyer notre maître espion. Faire un petit réseau d'espionnage pour augmenter encore la puissance qui va bien augmenter hein, normalement. Initié de Lancelin. Hein? Ah, on est chez les hermétistes. On en est où? On est initié. Très bien. On a du savoir ésotérique. Divers pouvoirs. Ok. J'ai une proposition qui propose une vieille aide étalant les emplacements possibles de quelques écrits hermétiques perdus et venus à ma possession il y a quelques lunes. Si vous financez une expédition, on pourrait la retrouver. On va le faire. La lettre mentionnait 3 textes perdus, un gros volume chez un antiquaire local, une église à Rennes et une tablette dans les ruines de la bibliothèque antique dans l'Empire Bengalais. Plus on va loin, mieux c'est. Eh ben on va aller loin. Expédition à Jabal Gouf. Recherche réussie 66%. On peut rater la mission, on va voir. Alors attendez, je regarde parce que là je vois qu'il y a quelque chose qui est... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop 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 hop. Genre t'es indépendant toi. Il se défend contre le pape pour obtenir Spolette. Ah. Moi ça m'arrangerait en fait que tu le fasses, que tu gagnes cette guerre. Alors ça je m'en fous que t'aies ça. Mais je vais être obligé d'y aller parce que si je récupère, je peux récupérer tout ça quoi. Ouais. Bon, oh, attendez, j'ai 10 000 trucs là où j'ai pas regardé. Wop pétard. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi, j'attaque direct le jeu là. Je vais même pas lever les yeux. Ok, donc il va falloir attaquer le pape. Bon. Alors, on n'est pas couronné. Bah on va attendre un peu du coup. On n'a pas de chancelier. On va prendre le tuteur. On n'a pas l'air d'être trop. On a l'air d'être pas trop mal apprécié. Alors le prince Arnald n'a pas de titre. Ok, ben on va lui donner le comté de Caceres, notre premier fils. Déjà, voilà. Notre deuxième fils, le prince Hubert. Alors attendez, à combien on en est là, puissance? 149%. Quand on prend lui, là, ça fait quoi? Opinion vassal. Ah, il faut que ce soit un vassal à lui, par exemple. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que je pourrais le faire ici? Ouais. On va essayer de dégrader les relations. Pour que lui nous rejoigne, on va aussi lui envoyer un cadeau. On en aurait notre appel. Non, on refuse toujours.
Notre deuxième fils a eu une fille. Ok, très bien. Et lui qui est un prince aussi. Qui est pas dégueulasse en martial d'ailleurs. Le problème, ok. On peut monter en grade dans la société. Il l'avait pas fait, pardon. Donc on va le faire, ça y est. Impeccable. On aura toujours opinion des vassaux religieux. Ensuite, action spéciale, établir l'intérêt à Caen. Il n'y a pas de raison qu'on change. On a encore un fils sans terme, on pourrait y faire. Le conseil est satisfait, on peut négocier, on n'est pas couronné. Alors, on a des apprentis. Ah oui, on peut avoir un apprenti. Bah, l'évêque de Fécamp, tiens. Le gardien des signes, on va prendre le roi d'Angleterre. Le grand aumônier, on va prendre le vice-roi de Bourgogne. Wow, des commandants, on a de la place. Toi. Toi. On va donner un petit peu au vice-roi, ça permettra qu'ils soient un peu contents. Ça fait toujours un peu monter leur opinion, même s'ils sont pas forcément des grands commandants, mais... Et notre frère, tiens, on va faire un commandant aussi. Ok, donc recherche de ça. Là, rechercher des progrès économiques. Toi, tu vas revenir faire des recherches culturelles, parce que ça sert à rien ce que tu fais. Et voilà. On a bien tout récupéré. Donc ouais, on est en guerre contre la papauté, excusez-moi, j'avais oublié ce petit détail. Donc, à partir de là. Il y a deux dans la guerre, personne. Très bien. Oh, puis si, vous savez quoi, on va prendre tout le monde. Comme ça, on va gagner du temps. L'armée de l'autre, elle est là. Je vais là. Ok, on va autoriser à gravir un échelon, c'est parfait. Maintenant, faut vraiment aller loin pour pour enlever toutes les troupes qu'on veut pas prendre. Je pense que j'ai oublié personne. Gustave a accepté l'offre de prêt de Kaiser. Ouais, ok, très bien. Trop de titres mineurs, hein. Si le régent désigné. Il a vraiment des bonnes stats lui. Hein. Notre femme, ça aurait été bien. Oh, vous savez quoi? Pourquoi des fois je me prends la tête? Alors qu'il suffit juste de faire ça. Régent désigné, voilà. Votre frère des Hermétistes, l'évêque ancien, a été arrêté par le chapelain Bert et ses guerriers. Il croupit dans une prison. Chaplain Hubert. Pas négocier pour le libérer. Non, tant pis. C'est pas mon problème. Ok, donc. On va peut-être tuer leur premier fils déjà au roi d'Écosse. Merde, sa fille. Elle se trouve dans les geôles. Du grand maître le bouchu, ok. Ok, donc lui il y aurait peut-être moyen, mais je vais attendre de voir que ses fils soient libérés maintenant. Éventuellement tuer sa femme ? 42 ans, je pense que ça devrait le faire. Par contre, je vais mettre une surveillance sur la gamine. Hop, toi. Tac, voilà.
une sainte à trépasser, je suis ravi pour elle. Hop. Et on va foncer voir les troupes de la papauté. Là on ferme. Bah oui, malheureusement. Alors, il nous manque des bateaux. Des bateaux, petits bateaux. La princesse de Finlande. Élégante, corpulente. On a une femme de 36 ans quand même qui est élégante, qui a un pied beau. Bah oui, ça fait pas tout. Et jamais tu lui demandes de se convertir. Bon, elle nous aime pas trop. Voilà. Non. Point de risque. Bah ouais, tu vas te convertir. Attends, faut pas déconner quand même, femme de l'empereur. Alors je sais pas si le pape est dans d'autres guerres. Ah ouais, ouais. Bah écoutez, on va se dépêcher de faire ça. Ça va être facile, hein, du coup. Voilà. Particulièrement impressionnant. Vous êtes une correspondance. Ok, ça nous a rapprochés. On peut investir. Alors, majesté, cour reine, taille de la cour. Tolérance, statut complet des femmes, moins de pénalités, ouais, légalisme, impôts lourds, etc., etc., etc. Ouais, et après, vice-royauté de rang ducal, ouais, bon, ça on n'y est pas, on s'en fout. On va plutôt faire de la coutume populaire, tiens, allez hop. Et c'est tout. Je pense pas que je puisse demander au pape de me couronner. Non, déjà je suis en guerre, je peux pas. Non mais elle est interminable cette guerre là. Moins 95%. Afin de blesser gravement mon ennemi juré. Ok, on a un rival visiblement. On n'est pas si bon que ça, hein. Vision effrayante. Ok, il est convaincu d'avoir vu le futur et que quelque chose de terrible allait lui arriver sur le champ de bataille. Ah, énorme. Enfin énorme, oui et non, mais du coup le mec il flippe. Vieillard. Ah ouais, on a vieillard carrément. C'est quoi, c'est l'âge qui fait ça? Ok, alors. Et donc on a trois rivaux. Dont son propre fils? Non. Oh la vache. Ouais, j'ai même pas regardé d'ailleurs, il est plutôt théologiste lui. Bon, on va le laisser comme ça, écoutez, ça change un peu, pas d'ambition. Par contre, la lignée, ouais, on a bien la lignée de toutes les lignées. On perd du prestige, il se défend moins contre les complots. Ok, est-ce que tu veux l'assassiner par exemple? Si tu veux. Il n'y a rien dans ce qui s'est passé que je puisse attribuer à ma vision dans l'eau. Je commence à penser que je n'ai rien vu du tout. Ok, on n'a plus la vision effrayante. Bon, ça c'est une bonne chose déjà. Mais entre Sir Siméon Snizor et son Seigneur Lige. Ouais, mais ça je sais pas si c'est encore valable en fait. Hein.
Ah, elle est plus en prison, elle, si je comprends bien. Ok, donc maintenant toi. Eh ben, on va payer tout le monde, hein, moi je te le dis, hein. En espérant que derrière ça va se faire, quoi. Il va falloir que les personnages jouent le jeu jusqu'au bout. Parce que bon, c'est quand même un. Il y a un enfant derrière plus un autre. Et elle, non, elle voudra pas. Bien évidemment. Mais on peut avoir une puissance peut-être correcte. Mais bon, ce sera vraiment pas ouf non plus, hein. Ah, on va peut-être avoir quand même les 100% passés. Ouais, les intérêts politiques, elle est pas très chaud quand même, hein. Mon cher maître espion et frère de l'ère Hémestisque, Rorg a avancé dans les pour invoquer la présence d'un être divin. La perspective de citer le divin pour obtenir un savoir est attirante et l'idée donc a été reçue par enthousiasme. On a un ingrédient dans notre trésor. Ah oui, d'accord. On a. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? Des orties, ouais. Ouais. On peut faire ça, allez, si tu veux, hein. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Au Royaume d'Écosse. Ah, il est là. Est-ce qu'on a mieux que 23 en maître espion? Non, on n'a pas mieux que 23. Hop. 108, c'est pas mal. On va difficilement pouvoir faire mieux. Chers collègues, je vis des phénomènes fascinants en observant le ciel. Je suis convaincu que le fondement du cosmos s'y cache. On accepte la mission. Le temps du rituel est venu. Votre ordre est rassemblé dans une pièce spacieuse. Les symboles sont papier sur le sol alors que vous chantez vos cantiques. L'initié Rorg vous a fourni un tout nouveau type d'encens qu'il affirme être nécessaire pour faire la connexion avec l'être divin. En peu de temps, il imprègne l'air, et alors que vous vous inspirez profondément en entendant les chants de vos camarades, vous sentez votre âme se séparer de votre corps et commencer à s'élever. Jusqu'à ce qu'elle semble se relier à quelque chose, une entité touche votre âme, bien que vous ne puissiez l'apercevoir avec aucun autre sens que l'œil de votre esprit. Ce doit être l'être divin, vous avez réussi. Vous luttez pour contrôler vos émotions et réunir toutes vos pensées en une question brûlante. Parlez-moi des secrets crachés à travers le monde, des fonctionnements des dieux, des étoiles et du soleil. Demander le fonctionnement des étoiles. Pourquoi pas? Les instruments et les gros volumes que je devais réunir pour mes études des secrets cachés des étoiles sont enfin arrivés. Alors ça c'est le truc en parallèle, hein, ça n'a rien à voir. Maintenant on peut observer le ciel, on gagne un peu plus de prestige, ouais, c'est un peu nul quoi, mais bon. Ça n'a rien à voir avec la question du divin, si je comprends bien. L'aide divin m'a donné des conseils cryptiques sur l'astrologie sous ses diverses formes, mais après avoir passé suffisamment de temps à retourner les problèmes tous les sens, je pense avoir compris ce qu'il voulait dire. J'ai hâte de les mettre à profit. On a obtenu, ouais, bon, pendant 5 ans, diplomatie plus 1. Putain, si ça donne ça de rencontrer l'être divin. C'est pas foufou, quoi. Enfant, sans intérêt d'éducation. Notre fille, hop, on va faire ça. Ouais, 101%, c'est pas foufou quand même, hein. Question, si on voulait assassiner d'abord sa femme. On va me dire, je sais pas si c'est très utile, mais on va regarder. Pourquoi pas? Je suis en réunion avec mon conseil et commence à avoir mal à la tête, ce qui rend difficile de suivre les conversations dans la pièce. Mon manque de sommeil en est clairement la cause. Quelqu'un se le tombe. Tout à coup, le duc Walter crie mon nom, me faisant sortir de ma rêverie. D'un ton menaçant, il me demande si je suis d'accord. On peut devenir couche-tard. On aura. Ouais, lui, ce sera plus mon maître espion. On va demander à répéter la question. Après de nombreuses nuits passées à observer le ciel, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses là-haut derrière les nuages. Cependant, je change à mettre cette recherche en attente afin de me consacrer à mes autres fonctions. Non, je dois continuer. Voilà, bon, il y a du monde qui rejoint le conflit pour la reine ou pas? Il faut que je les invite à la main. Bon, c'est bugué. Ouais, c'est pas fou quand même, hein. Il est excommunié et tout, mais bon, non. On va plutôt essayer de sur lui et puis on va attendre.
Ok. Ah ouais, donc ça a rien changé en fait, c'est-à-dire que il est toujours sous lui quoi. Je comprends rien. Moi je pensais que le mec il voulait être indépendant. Ou alors, j'ai pas lu assez vite, j'ai lu trop vite. Et ce qui s'est passé, c'est que il est mort le gars qui a demandé ça? Est-ce que c'était lui? Je sais plus. Il semble bien que c'était lui, hein, pourtant. Oh merde, bah ouais, j'ai pas. Je croyais qu'il était... il voulait être indépendant, quoi. Bon. Je me suis fait chier pour rien. Bon, en même temps, c'est pas très très grave non plus, hein, mais. J'ai hérité du royaume d'Aquitaine, très bien. J'ai plus de maître espion. Prendre lui. On va envoyer immédiatement. C'est un réseau d'espionnage ici. Sincèrement, une soirée très productive. J'ai pu dédier ma pensée au calcul. Je gagne 10 en savoir ésotérique et je deviens couche-tard. Ok. Après de nombreuses nuits à passer à observer le ciel, je suis certain qu'il y a une logique au mouvement des corps célestes que je n'ai pas encore découverte. Ouais, on va continuer. Vous savez quoi? Ouais, je vais me mettre en intrigue un petit peu. Ça va augmenter un peu la puissance. Alors, ça l'a augmenté aussi vite que ça l'a diminué d'ailleurs, mais bon. Peut rien faire de plus, hein. Mais il est déjà excommunié en plus. Ouais, lui, il est pas très loin de rejoindre le complot, mais il est pas chaud. Après, normalement, il devrait pas avoir d'autres enfants, hein, donc. Comment ça, sa fille, elle est fiancée à lui, là? Mais non! Mais il y a eu un total ratage là! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé votre conversation, monseigneur. Mais quel con, putain! Mais quel con! Mais quel con! Ah bah oui, tiens, c'est bien ça. Je me suis complètement raté là. Ouais, je vais révoquer son titre. Fais chier. Je pense jamais à ça. Allez, reviens à ma cour. Toi, rompe les fiançailles. Me voilà maintenant obligé de lui assassiner sa deuxième fille. Putain. Quel con. Mais quel con, franchement. Même ça qu'elle est en prison en plus. J'imagine que c'est pour ça que je peux pas. Aïe 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 aïe. Je me suis complètement raté entre la Bourgogne et la Papauté. Ah, pour récupérer Dauphiné. Ah, par contre, c'est bien ça. Mon vice-roi a déclenché une guerre.
Ouais, je regarde même pas trop ce que je fais. Là, je suis tellement concentré dans mon truc. Bah ouais, mais non, mais j'ai tellement raté mon coup là. J'essaie de afin de blesser mon ennemi juré. On peut le rendre lunatique. Bah voilà, on l'a fait. Il est rare d'avancer nocturne complètement claire à observer. Oula, on obtient le trait cancer. On a pris, obtenu le trait. J'ai jamais vu une vue aussi spectaculaire de ma concession en tant que cancer et je peux sentir ma connexion. Réussi la mission observer le ciel et cancer, ça me donne quoi? Moins en diplomatie, plus 5 en compétences de combat personnel. Très bien. Ouais, c'est tellement rare qu'on le voit ce truc là que. Je ne connaissais pas. Ah, c'est relou ça! Quand on rate des trucs comme ça, ça m'énerve, tiens. Tu vas la chercher ta fille ou pas là? Parce que. Ouais, bah c'est bien si elle meurt, mais par contre. Faut que l'autre on puisse faire quelque chose quoi. C'est bien que je tue ses enfants mais ouais, j'ai une faction dangereuse moi. Oula, je ne sais plus où j'en suis. De Paris, améliorer les relations avec lui. Pourquoi je suis pas très apprécié? Ouais, indigne. Sale rumeur, forte ambition. Ouais, bon. Ok, donc toi t'as un nouveau fils, très bien. Voilà, on va changer le chancelier. Alison, notre fille, ouais, bah tiens, prends ça, on s'en fout. Et en pèlerinage, c'est bien. Et ta fille, tu t'en fous là? Non? Je sais pas, c'est que ta fille après tout. Hein. Forte augmentation du nombre de pèlerins voyageant pour avoir le lieu de sépulture. On va essayer de devenir sociable. Apparemment c'est bon. Les personnes qui m'aiment pas parce que j'ai révoqué les titres de... Oui, c'est vrai que j'ai révoqué les titres de vassaux. Ouais, bah il y a mon fils pour le ramener. C'est vrai que c'était pas la meilleure idée du monde, quoi. Bon, ce qu'on va faire en attendant, on va essayer de l'assassiner lui. Une fois de plus. Une puissance un peu mieux du complot. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ouais, vas-y si tu veux, je m'en fous. Ce serait bien que toi tu sois plus au cachot quand même, hein. Et puis je surveille parce que dès qu'elle sera plus au cachot, il va y avoir des fiançailles, je pense. Hop, faut plus oublier de ranger.
écoutez, ce sera pas pour cet épisode-là, et puis cette putain de guerre, mais elle ne va jamais s'arrêter, quoi. Et il va falloir que tu meurs, toi, hein. Parce que ça devient un peu chiant, hein. Oh, la vache. Ouais, j'ai des sacrés complots contre moi, quand même, hein. Je vais être obligé de claquer du pognon, mais à mort. Tant pis, on s'en fout. Ah non mais il va falloir... Oh, c'est bon, arrête de faire ça, c'est chiant quoi. On s'en fout, tant pis pour les rivaux mais... Bon, bah espérons qu'elle sortira de sa prison, un de ces quatre, et puis qu'on pourra la récupérer. Allez, je vais arrêter pour ça pour aujourd'hui. Donc, bah voilà, à cause de cette guerre qui n'en finit pas, moins 98%, punaise, j'espère que... J'espère quoi, parce que je vois pas comment ça se passe là. Ah, il faut taper sur eux là. Putain, l'IA, franchement, elle me déprime. Hein. Parce que si je comprends bien, maintenant qu'ils occupent assez de territoire, il faut qu'ils fassent des batailles, si j'ai bien compris. Donc, ouais, on a gagné beaucoup de batailles quoi, contrairement à eux où ils sont pas terribles en bataille. Parce que j'aimerais bien en sortir de cette guerre, hein. Franchement, là j'en ai un peu ras-le-bol. Je peux pas. Je peux pas sortir d'une guerre comme ça, donc faut qu'il y ait une raison valable. Voilà, j'imagine que si lui mourait ou si lui mourait. Fais voir. Fais voir. Ouais, presque moyen qu'il meure lui quoi pour terminer le truc et. Regardez vite fait, je sais pas, je sais pas arrêter un épisode moi, c'est un gros problème ça. J'en ai rien à foutre hein, qu'il en ait parlé à tout le monde, mais alors, ma réputation... Allez, on augmente le complot. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour arrêter une guerre hein? Franchement. Non, c'est bon, pour le moment j'ai cette chose à faire. Avec ton ciel, c'est bon. Alors, j'espère que ça va arrêter la guerre, hein, mais ça serait quand même drôle hein, que ça arrête la guerre. Tiens, la cathédrale de Mortain. À moins que quelqu'un d'autre prenne la tête, hein, peut-être ça marchera pas. Hein. Faut que ce soit lui peut-être. Ouais non, vous voyez, c'est bien quelqu'un d'autre qui a récupéré derrière, ça n'a rien changé. Bon alors fallait que ce soit lui. Et là c'était bon. Mais ça a l'air moins évident hein, lui. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il faut pas faire quoi. Bon bah y'a plus qu'à refaire lui, mais le conflit est de moins en moins efficace, donc... Enfin le complot, le conflit, oh là là, je réfléchis à tellement de trucs en même temps dans ma tête que... Bon enfin c'est bien, on a le roi de Bourgogne qui va peut-être nous récupérer ça, du coup, c'est une bonne première chose. Moins 99%, allez, moins 100, bordel. Dernier soir, mon fils Anna n'a pas été capable de manger ou boire sans vomir. Il semble qu'il souffre d'une intoxication alimentaire. Bah, moi, ça m'irait bien qu'il meure en fait. Non, on va pas s'en occuper. J'essaie de l'intimider, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais.
Ouais, parce que lui, c'est vraiment le personnage que j'ai pas envie de jouer, quoi. Non. Allez, c'est bon. Je m'arrête là. Mon complot 92%. Allez, on verra à la prochaine. C'est terminé cette fois-ci. Je m'arrête. Moins 99%. On verra. J'espère au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à après-demain pour la suite. Et petit à petit, la fin. Il nous reste moins de 30 ans. C'est pour ça que j'aimerais bien finir en beauté tout ça, si c'est possible. On va voir. Merci à toutes et à tous, et à très vite.